C'est ma voiture, Richard, pas la tienne. Je fume si j'en ai envie. Oh non, mince. Fait le plein. Oui, s'il vous plaît. Vous pourriez aussi vérifier le niveau d'huile? Ouais. Ouvrez le capot. Vous vivez sur place? Ouais. Gaz Hog. C'est charmant. Vous venez de Californie, hein? Vous allez encore loin? Bangor. Vous connaissez? Non. Trop loin pour un Pennsylvanien comme moi. Vous n'irez pas très loin comme ça. Disons 5 ou 6 heures de route. J'espère qu'elle me ramènera. Pour l'huile, c'est bon. Ah, tant mieux. Je vous dois combien? Ça va? Il va faire froid toute cette nuit. Si ça ne tenait qu'à moi, moi jamais je quitterai la maison. D'accord. Je voudrais surtout pas vous effrayer. Mais vous êtes sûr que vous voulez conduire jusqu'à Bangor cette nuit? Vous avez l'heure? Il est 9 heures passées. Déjà? Le temps passe si vite, et je vous dois combien? Vous pouvez dormir à l'hôtel et repartir demain matin. Ce serait plus sûr. Merci. Jimmy. Jimmy. C'est très gentil à vous de vous soucier de moi, mais je préfère continuer ma route. 39. Excusez-moi? L'essence. 39 dollars. Ah oui, bien sûr. Tenez. Voilà 40, tenez, gardez la monnaie, merci. Et bonne soirée. J'ai jamais entendu autant d'ineptie. Ah là là. Et merde. Elle est naze, cette radio. J'étais stupide de vouloir prendre cette route. Mais ne m'approchez pas. Non, je vous en prie. Vous ne comprenez pas. Il arrive. Il est encore à ma poursuite en ce moment. Je ne veux pas avoir d'ennuis. Je vais retourner sagement à ma voiture et...
C'est du sang sur votre visage? Je vous en prie. Je vous en prie, partons. Allons-nous-en d'ici avant qu'ils nous trouvent. De qui vous parlez? Je vois personne ici. Qu'est-ce que vous faisiez dehors? Mes amis. Mais ils sont où, vos amis? Ils sont morts. Écoutez, je vous emmène à la ville la plus proche. Et puis j'irai chercher de l'aide, d'accord? Désolée, tenez, vous en voulez une? Non. Ok, bien. Voilà. C'est quoi votre nom? Hein? Alors? Amy. Pardon? Amy. Amy Singer. Mon nom, c'est Amy Singer. D'accord. Ok. C'est un bon début. Vous allez mieux? Vous vous êtes coupé? Vous vous êtes blessé? Ça va. Tout ça n'est pas le mien. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez là, planté au beau milieu de nulle part, en pleine nuit? Et ça fait longtemps que vous vous attendez là? Quel jour on est? Vendredi, le 19. Le 19 novembre. Ça fait 2 jours. Oh, ça fait que 2 jours. Oh, ma pauvre. Écoutez, ça va prendre un peu de temps avant d'arriver en ville. Il faut rester éveillé. Et racontez-moi tout depuis le début, d'accord? On était partis à 5. Mike, Greg, Tammy, Lisa et moi. On nous a envoyés dans cette région pour inspecter une zone réquisitionnée pour reprendre l'extraction du charbon. Vous êtes étudiante? À l'université de Boston. Et notre professeur en études environnementales nous a fait une proposition. Il avait appris qu'il y avait une possibilité qu'un cimetière indien se trouve quelque part ici. Il pensait que si nous allions localiser le site, ça suffirait pour empêcher sa destruction. Trouver le cimetière, stopper l'extraction. Et il nous garantissait nos diplômes. Ça nous semblait être une bonne idée à ce moment-là. Alors, on a tous fait nos bagages. Et on est venu ici pour mener notre investigation. Génial, Mike. La prochaine fois, tu vérifieras que les toilettes fonctionnent. J'adore ton tatouage, Tammy. Oh, fiche le camp, Greg. Greg, quand est-ce que tu auras fini de jouer aux mecs qui en ont? On en a encore pour combien de bornes? Juste après la prochaine station-service. Tu plaisantes, j'espère. Tout ce qui nous reste de notre bourse doit encore servir à nourrir ce tank. Oui, mais on compense les frais d'essence par l'économie des hôtels. On a tout à gagner dans cette affaire. Et ça n'a pas que des inconvénients. On peut aller se garer au plus près du site. Et la première chose qu'on fera au lever, ce sera de bosser. Ah, super pratique. Bradford. C'est ici qu'il y a eu tous ces morts, si je me souviens. Exact. C'était le 19 décembre 1967. Vous saviez que ça a été la plus grande catastrophe en Pennsylvanie? Tammy, tu veux bien nous épargner tes cours d'histoire?
239 personnes sont mortes, Greg. Moi, je trouve dingue qu'on ait jamais pu retrouver le coupable. Ça fait partie des risques du métier. Pardon? C'est les risques du métier. Et tu te destines à l'environnement? Un jour, oui. Sans doute pour tes jeunes républicains. Notre boulot, c'est de protéger l'environnement de la destruction et c'est déjà une très grande cause pour l'humanité. Très souvent, nos valeureux écologistes terrifient les gens en leur disant que l'industrie est responsable de tout, alors qu'en fait, on n'en a pas la moindre preuve. Et tu penses quoi des pluies torrentielles en Asie et aussi de ces insoutenables vagues de chaleur en Europe et tous ces cyclones, ces tempêtes qui n'arrêtent pas de frapper l'Amérique? C'est pas une preuve pour toi? Et sans oublier le problème de la fonte des glaces. Vous savez, je préfère encore juger par moi-même ce qui est de cause naturelle et aussi ce qui ne l'est pas. Je vous ferai un rapport impartial. Oh putain, Greg, je suis sié que Fox News ait eu raison de ton bon sens. Pour toi, falsifier les faits revient donc à dire la vérité? C'est purement économique, Mike, pas un argument. Le pétrole, l'essence et le charbon aujourd'hui et dans 10 ou 15 ans, on aura le plutonium, peut-être même plus tôt. Que crois-tu qu'on exigera de l'État à ce moment-là? J'en sais rien, demande-leur. Quoi, maintenant? Non, il faut attendre 10 ans. Demande-leur quand les moteurs s'éteindront et qu'il fera froid à la maison et qu'ils n'auront plus rien. Quand des gens qui n'ont jamais eu faim seront affamés, ils ne se contenteront pas de demander, ils exigeront que leur gouvernement ait la solution. L'économie mondiale dépend des combustibles fossiles. Et tant qu'on n'aura pas trouvé une source d'énergie alternative, des mines s'écrouleront et on continuera à se battre. Et malheureusement, tous ceux qui meurent à force d'extraire les énergies dont on a besoin, eux seront considérés comme un dommage collatéral. Comme dans le cas des mineurs de Bradford. C'est pas cool, Greg. C'est la vérité, Mike. Sans essence, comment on arrivera à Arrowhead? Oui, parlons-en, justement. On peut reprendre la route, hein? Ouais, allons-y. Allez, tout le monde, c'est reparti. J'adore cet endroit. Vous connaissez le tétanos? Surtout ne touchez à rien, ça vaut mieux. C'est une page de l'histoire des États-Unis. T'as pas tort, fillette. Et si tu rentrais à la maison, fiston? Bah pourquoi? Rentre vite! Vous voulez quoi? Faire le plein d'essence? Il va falloir vous servir vous-même. Et vérifier l'huile aussi. Et vos pompes, elles sont automatiques? Greg! Ouais? Tu peux vérifier le niveau d'huile? N'appelez pas la police. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez du café ici? Évidemment. Écoutez, monsieur... Billy. J'aimerais vous faire toutes mes excuses. Pourquoi? La manière dont on s'est comporté, c'était pas très poli. Oh, vous en faites pas pour ça. Ça arrive plus souvent qu'on croit. Excusez-moi, monsieur. Vous avez de la monnaie? Laissez-moi vous aider, je vais le faire pour vous. T'as vu ça? Merci, mademoiselle.
Amy. Le manchot a l'air de t'avoir à la bonne. Amy, même toi, tu dois admettre que c'est un type bizarre. Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être bien qu'Amy rêve de savoir ce que ça fait de sentir ses moignons glisser entre ses cuisses. Amy! Prendre, me sauter dessus comme ça. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Il y a quoi dans la grange? Juste mon chien. Ça grouille de rats là-dedans. On n'aurait pas dit un chien. J'ai entendu quelqu'un respirer. C'était... Vous avez vu quoi? J'ai rien vu. Rien. Amy? Qu'est-ce qui se passe? Il t'a touché? Non, il m'a pas touché, Greg. J'ai été attirée par... Par quoi? Le chien de Billy. Le chien de Billy, t'es sûr? Ah, oh, ça va maintenant, Greg, il se fait tard. Il a raison, il faut qu'on arrive à Arrowhead avant qu'il fasse nuit. Arrowhead? Qu'est-ce que vous comptez faire là-bas? On fait des recherches, nous sommes étudiants. En fait, on doit aussi inspecter une zone géographique bien spécifique. Ça consiste à prélever des échantillons du sol. Pourquoi? Billy? On perd notre temps ici. Venez, on s'en va. Tenez, ça suffira pour l'essence. Il a toujours eu tendance à me surprotéger. Vaut mieux l'ignorer. C'est bon de savoir que quelqu'un vous protège. À bientôt, peut-être. On l'appelle Devil's Playground. Pardon? L'endroit où vous allez. Certains l'appellent le terrain de jeu du diable. Le terrain de jeu du diable. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'appelait. Mon Dieu. Vous l'avez dit aux autres? Amy. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Malgré notre heure tardive d'arrivée,
Et après l'incident à la station d'essence, tout s'est déroulé à merveille. Mike s'est approché aussi près que possible du site et nous avons pu préparer notre matériel pour le lendemain. Ça avait été une très longue journée pour nous tous. Et donc, sachant le travail qui nous attendait, on s'est tout de suite couché. J'étais crevée. Et dès que je me suis allongée, je me suis endormie comme une masse. Cette nuit-là, je pensais que rien n'aurait pu me réveiller. Même pas Greg et Lisa qui faisaient du raffut dans le lit d'à côté. Rien. Sauf... Pas toi, dis-moi. Je crois pas. Tiens, les gars! Qu'est-ce que c'est? C'est qui la petite? Faut aller voir qui est fou dehors! Putain, quel connard peut s'amuser à faire ça? C'est fini. C'était quoi, ça? Un tremblement de terre. Ouais, un tremblement de terre, vous croyez pas? Oui, ça a bien secoué. Ou bien c'était juste un orage. Ah, mon Dieu! À prendre une assurance tout risque. Pas très drôle, Greg. Mais je suis sérieux. Je vérifie nos outils. Ah, s'il te plaît, Mike, oublie le boulot, cet enfoiré se paye notre tronche. Je peux savoir de qui tu parles, Greg? C'est bon, on est quitte, Billy. T'as réussi à nous foutre les jetons, même à moi. Bon travail, mec. Alors tu rentres chez toi avec ta bande de dégénérés de bouseux et tu t'astiques le poireau pour fêter ça, d'accord? Bonne nuit, Billy. Il s'est barré. Eh, où est-ce que tu vas? Eh ben, je vais me pioter, tiens. Quelqu'un veut me border? Et qu'est-ce qu'on fait des outils? Laisse tomber, Mike. Demain, il fera jour. Attends-moi, Greg. Des fois, il est trop bizarre. J'ai peur, Mike. C'était bien leur intention. Allez, viens. On ferait mieux de s'en aller. Billy m'a raconté des choses à la station. Il nous avait prévenus et c'était bien un avertissement. On en a déjà discuté, Amy. Oui, mais on est peut-être sur des terres sacrées. C'est peut-être des gens du coin qui croient qu'on fait partie de la compagnie des mines. Tu sais combien ils sont susceptibles. T'en fais pas, viens. C'est l'heure de dormir. Je n'arrivais pas à me défaire de cette désagréable sensation d'être épié. Et vous l'étiez? Il ne s'est plus rien passé cette nuit-là. Et le lendemain? Le jour suivant fut spectaculaire. Des conditions de travail parfaites. Seulement, on n'a rien pu trouver sur place. J'étais prête à tout laisser tomber. Quand... Greg a dit qu'on était sur le point de trouver un filon. J'étais assez sceptique au début. Et puis, j'ai vu une pointe de flèche. Greg a pensé que cette découverte sauverait notre année. Et ça nous garantissait de passer au niveau supérieur. On était tous très excités quand on a commencé à exhumer les ossements. Des ossements humains. Vieux de plusieurs centaines d'années. Il y en avait partout. Un peu comme si on avait touché le jackpot. <t'en>
Voyons ce que tu as trouvé. Très joli pubis. Beau travail. Merci. Il va bientôt pleuvoir. Hé, les gars! Il y a de gros nuages qui s'amènent. Faut qu'on plie bagages et on rentre au camp. Bonne initiative, Mike. C'est fou le nombre d'os qu'il y a ici. Salut, les gars. Fin de journée, ma chérie. On rentre au camp. Ah. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est une mâchoire supérieure. Et plutôt en bon état. Elle est particulièrement bien conservée. Est-ce qu'ils exerçaient la chirurgie dentaire à l'époque? Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Il y a des plombs en or. Impossible. Les indigènes ne pratiquaient pas la dentisterie. Tu es sûr? Fais voir un peu. Où tu l'as trouvé? Juste ici, pourquoi? Mike? On n'a pas mis bien longtemps pour comprendre ce à quoi Mike avait pensé à cet instant. Tu sais, on pratique la technique du plombage. Tammy a essayé de trouver d'autres explications. Pour elle, la pratique du plombage existait depuis plus de 100 ans. Mike n'en était pas si sûr. Il y a une inscription gravée à l'arrière. Je t'aime, Marie. Oh. En 2002. Était peu profonde, beaucoup moins que celle des indigènes que nous avions découvertes plus tôt, au point que peu importe où nous creusions, on tombait encore et encore sur les restes d'une pauvre âme. Un vrai monstre. Des bagues, des chaînes en or et aussi des bracelets. C'est sûr que Staré en voulait pas à leur argent, il leur a laissé tous leurs bijoux. Certains de ces corps sont encore au tout début de leur décomposition. Faut marquer cet endroit sur la carte. T'as laissé les clés sur le volant.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Amy. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Lisa s'est retrouvée coincée. Ça te va comme réponse? T'es un vrai minable. Écoute, ce monstre, il en a après nous tous. Alors on doit rester unis, sinon aucun d'entre nous ne passera la nuit. Ok, j'ai eu la trouille. Tout le monde a eu peur, Greg. Mais pourquoi j'ai rien fait, putain? Il n'y avait plus rien à faire. Pourquoi vous n'avez pas aidé? Greg, pourquoi? Arrête et écoute-moi. On ne pouvait rien faire de plus pour elle. Fils de pute!
Je me demandais si j'étais éveillée. Peut-être que c'était qu'un affreux cauchemar et qu'en fait, je dormais tranquillement dans mon lit, bien au chaud sous ma couette. Mais c'est là que le monstre s'est tourné vers nous. Avant que je vous rencontre, je me suis arrêtée dans une station-service. Et il y avait ce gars. Il faut le et tuer. Je crois que. Il adore chasser, plus encore que tuer. Amy, est-ce qu'il serait possible? Enfin, peut-être avez-vous imaginé tout ça dans votre tête? Je ne remets pas en cause ce que vous me dites. Je pensais. Il est possible que votre subconscient ait pu réinterpréter les faits réels et. Je veux dire que le gars s'est transformé en monstre parce qu'il vous a fait toutes ces choses horribles. Vous êtes sûre? Aussi sûre que je suis assise à côté de vous dans cette voiture juste en ce moment. Carrie. Je sais ce que j'ai vu. On sera en sécurité ici. Oh, Dieu merci. Le jour va se lever dans quelques heures. On avancera plus vite comme ça. Passe-moi la carte. Pourquoi faire? On doit trouver un moyen de rejoindre la nationale. Non, j'irai nulle part, Mike. Avec ce monstre qui nous traque. Assez discuté, Tammy. J'ai pas le temps de négocier. Écoutez, quelqu'un va bien se rendre compte qu'on a tous disparu. Il n'y a que deux personnes à savoir où nous sommes. Le professeur et Billy. On connaît aussi le secret de ce maniaque. Ce fumier connaît la région comme sa poche, mieux que n'importe qui. Nous sommes sa cible. C'est un chasseur et il finira par nous trouver. Alors, est-ce que je pourrais avoir cette carte? Merci. Tiens le coup, Tammy. Tu penses qu'on en a pour combien de temps pour retourner à la station-service? À pied? La vache, j'en sais rien. Au moins une bonne journée, j'imagine. Billy nous avait bien dit de ne pas venir ici. Si on arrive à retrouver la station, il pourra nous aider. Où est Tammy? Où elle est? Tu sais où est Tammy? Tammy! Tammy! Où elle est passée? C'est pas vrai. Je ne crois pas. Quoi? Il me faut la permission pour pisser. J'abandonne. Ça vous dérange ou quoi? Arrête un peu, Tammy. Fais un peu moins de bruit ou le monstre te trouvera.
Amy, attends-moi. Amy, arrête-toi. Alors promets-moi que tu le referas plus. Tu dois d'abord me le promettre, Tammy. Tammy? Tu me parlais, Amy? Laisse tomber. Retournons au camp. Ah, je savais que tu m'abandonnerais pas. Tammy! J'ai le souffle coupé en tombant, c'est rien. Tu pourras grimper? Je crois que je suis dans la merde. Je peux peut-être t'aider. Attends un peu. Chut, tais-toi, Mike, il arrive. Quoi?
il est déjà mort. Mais il reviendra. T'as raison. Alors on fait quoi maintenant? Nous, on va rien faire du tout. Tu vas devoir continuer seul. Je peux pas t'abandonner, Mike. Peut-être que si je trouve une branche assez longue, ça fera la peine. T'en trouveras pas. Et ce trou est beaucoup trop profond. Fiche-moi la paix, Mike. Laisse-moi essayer. Il y a un moyen. Oui, mais là, j'en vois pas, hein, Amy. Regarde. Regarde. Je suis complètement bloqué. D'accord? J'ai aucun moyen de sortir d'ici. C'est évident. Tu dois t'en aller. Non. Sinon, tu peux aussi m'enterrer vivant ici, car j'irai nulle part. Tiens, attrape-la. Repère-toi aux marques que j'ai faites. Ne va pas sur la route, longe-la discrètement. Ne montre cette carte à personne en dehors de la police. Tu as compris? Très bien. Tu devrais partir tout de suite si tu veux arriver avant la nuit. Je suis désolée, Mike. C'est pas ta faute. Pense à ramener une corde quand tu viendras me chercher, d'accord? Oui. Oui. J'ai réussi à rejoindre la station-service assez rapidement. J'avais même le temps de retourner sauver Mike. Vous comprenez mieux maintenant. Est-ce que vous avez tout raconté à Billy? Je lui ai parlé des tombes. Et je lui ai dit que Greg, Tammy et Lisa étaient morts. Je lui ai aussi dit que Mike était coincé dans une crevasse. Et j'ai parlé du monstre responsable de tout ça. Quelle a été sa réaction? Pas vraiment celle que j'avais prévue. Putain de merde! Je vous ai pourtant dit de pas aller là-bas, non? Vous ne nous aviez pas dit qu'il y avait un fou furieux dans les parages. Vous auriez pu être un peu plus spécifique. Ouais. Et un avertissement, c'est assez spécifique pour vous, les étudiants plus malins que les autres. Écoutez, je cherche juste à sauver Mike avant que quelque chose de grave lui arrive. Alors est-ce que vous allez m'aider ou pas? Et il y a une corde au-dessus du distributeur de boissons. Je l'aurais bien prise moi-même, mais mes crochets ne valent pas grand-chose. Évidemment, ce serait mieux si je les lubrifiais un peu de temps en temps. Ouais, c'est Billy. Tu ferais bien de faire demi-tour et venir. J'en ai rien à foutre. Rappelez que maintenant, j'ai besoin de toi. On a un gros problème à Arrowhead.
C'est plutôt accidenté comme terrain par ici. Ça m'épate que vous vous en soyez aussi bien sorti. Si j'avais pas eu la motivation de sauver Mike, je pense pas que j'aurais pu y arriver. Ouais, ben... En ce qui le concerne, rassurez-vous. Je pense qu'on l'aura sorti de son piège d'ici 2 heures. Je crois même savoir dans quelle crevasse il se trouve précisément. Mais on va quand même prendre votre carte avec nous, juste au cas où. Amy ? Un problème ? Comment savez-vous pour la carte, Billy ? Putain, ça fait chier, Amy. Je vous appréciais vraiment. Jamais personne n'a été gentil avec moi. Pas comme vous. Pourquoi vous et vos potes, vous m'avez pas écouté? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi? Comment savez-vous pour la carte, Billy? Je vous avais bien prévenu de ne pas vous y rendre. Allez, regarde-la bien, regarde-la vraiment bien, elle est là. Parce que cette petite peste était à 2 crochets de pouvoir t'envoyer à l'ombre pour un très long moment, tu comprends? Et ne me sors pas encore tes excuses à la noix. T'as envie de passer le reste de ta misérable vie derrière les barreaux? Non. Évidemment que tu veux pas. Remercie ta bonne étoile qu'elle soit venue me voir en premier. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai toujours dit à propos des massacres de groupe? Hein? Qu'on doit rien négliger. C'est bien ça, ne rien négliger. Et tu connais la règle. Si tu en tues un, tu dois tous les tuer. Sinon, ça fait des témoins et tu sais ce que ça signifie. Des ennuis. C'est ça. Je suis désolé d'avoir à me fâcher comme ça, Toby, mais c'est pour ton bien. T'es mon frère et c'est mon devoir de te gronder quand tu fais des fautes. Tu dois bien comprendre qu'il y a toujours des conséquences pour toute action que l'on commet dans la vie. Tiens, réfléchis bien à ceci. Je dépends au moins autant de toi que toi de moi. Imagine. Qui s'occuperait de moi si tu devais aller finir ta vie dans une prison? Tu peux me trouver un peu égoïste. Mais aussi longtemps que tu garderas ça à l'esprit, tu seras certain de ne pas aller en taule. Maintenant, cette carte, dis-moi où elle est. Essaie pas de me mentir, ça servira à rien. Je suis pas le genre de gars à se laisser rouler dans la farine. Je veux cette carte. Je veux celle où vous avez marqué les emplacements des tombes. Celle que Toby a vue. Je n'ai plus. C'est ce qu'on va voir. Fouille-la. Tu sais ce que t'as à faire, d'accord? Fais en sorte que l'autre Gus sache qu'on la retient. Si jamais il pose le moindre problème, tu le brûleras avec ça. Je suis sûr qu'il te dira où est la carte, et si ça se trouve, il te racontera même toute sa vie ses courus d'avance. Non! Viens! Non. Attends, non. Elle, elle reste avec moi. Je crois que je vais m'amuser pendant ton absence. Je préfère crever que de me laisser toucher par vous.
Je te baiserai morte ou vivante, j'ai pas de tabou avec ça. Allez, frangin, va vite nous retrouver cette maudite carte. Alors ? Tu me poses aucune question ? Quelle question ? Demander ce qui pourrait m'arriver de pire, par exemple ? Oh, allons, arrête, Amy, tu veux vraiment pas savoir ? Hein ? Je veux dire, ça doit sacrément ruminer dans ta petite tête, pas vrai ? Je m'en fiche. Est-ce que Billy est un tueur ? Si je suis un fumier d'assassin, ça t'intéresse pas, t'es sûr ? Oui, je le suis ! Je suis une enflure d'assassin, tout comme Toby, d'ailleurs ! Il tue sur un simple ordre de ma part, sans poser de questions. Pourquoi ? T'as entendu parler de la catastrophe de la mine de Badford en 67 ? Ouais. Ouais. Évidemment que tu le sais, t'es quelqu'un d'érudit, c'est vrai. Mais je parais que tu savais pas que la mine avait été utilisée pour entreposer des produits toxiques. Et quand il y a eu cette énorme explosion, toute cette merde s'est répandue dans les nappes d'eau potable. Certains sont morts. Et d'autres ont survécu. La plupart des survivants ont eu le cancer après. Des femmes ont accouché de nourrissons mal formés. Maman était l'une des survivantes. La grange derrière la maison. Celle où Toby t'a vu la première fois. C'est là-dedans que maman nous gardait enchaînés pour qu'il puisse s'occuper de la station. Elle disait que c'était juste pour notre bien. Moi, je pense qu'elle avait trop honte de nous et qu'elle nous cachait dans cette grange pour ne pas effrayer les clients. Quoi qu'il en soit, je dois avouer que cette grange était vraiment une abominable chambre d'enfant. Les personnes que nous tuons, eux, méritent de mourir. Chacun d'entre eux. Oui, chacun d'entre eux. Et moi, Billy, qu'est-ce que je peux bien mériter ? Papa disait toujours, empêche-les de prendre nos terres, fiston. Parce que le monde va se servir de toi pour mieux te jeter après. Tu ne peux pas survivre. C'est pour notre protection, tu comprends ? C'est pour ça que nous devons tuer. C'est facile de juger des personnes quand tu sais strictement rien d'eux. Tu ne pourras pas entendre ce que nous, on entend. Tu pourras jamais voir ce que nous, on voit, ce qu'on ressent, ce que sont nos sentiments. Alors ne nous juge pas. S'il vous plaît. Je vous en prie, j'en peux plus. Parfait. J'ai fini de parler, en tout cas. J'adore vraiment ça.
Là, immobile, à attendre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'en sais rien. Je me souviens plus de rien. Carrie, s'il m'a touchée... Chut. Il faut vous reposer maintenant. Je veux surtout pas me reposer. J'y arriverai pas de toute façon. J'arriverai pas à dormir. Tous mes amis sont morts. Ils étaient encore avec moi ce matin et ils reviendront plus jamais. Jamais j'oublierai, jamais j'oublierai. J'ai ressenti la même chose un jour, juste après avoir perdu Richard. C'est lui sur la photo? Oui. Son rêve était de traverser les États-Unis, en ne prenant que les petites routes, bien sûr. Il s'est même offert une coccinelle de 74, entièrement retapée pour ce périple. Il m'a supplié de l'accompagner, mais j'étais trop occupée. Je ne me souviens même plus de ce qu'il y avait de si important.
Enfin. J'ai pris cette photo le jour de son départ. On ne l'a jamais revue. Et si j'avais insisté pour qu'il ne s'en aille pas? Et si je l'avais accompagné? Ou si je lui avais dit d'attendre et de ne pas y aller? Toujours les mêmes questions. Pendant des années, j'ai ressassé toutes ces questions. Aujourd'hui, je suis là, avec vous. Sur la route où a disparu Richard. Ça va aller maintenant, croyez-moi, d'accord? Dans peu de temps, vous allez vous sentir beaucoup mieux, promis. J'espère que vous dites vrai. Vous allez voir. Je peux vous renseigner, madame? Oui, où est le téléphone? Merci. Vous n'avez pas besoin d'essence? Oui, bien sûr, faites le plein, s'il vous plaît. Allô, numéro d'urgence? Allô, j'aimerais parler à la police, s'il vous plaît. Ne quittez pas, merci. Commissariat de Bradford, ici l'inspecteur Craig, j'écoute. Bonsoir, inspecteur Craig. Je m'appelle Carrie Mitchell et je voudrais signaler un incident qui vient d'arriver. Continuez, madame. Et je roulais sur la route 87 quand j'ai failli écraser une jeune femme. Vous avez percuté quelqu'un? Oh, c'est pas ça, non. Oh, Dieu merci, non, mais c'était tout comme. Ce n'est pas la raison de mon appel. Quel est votre problème, alors? Eh bien, je crois que sa vie est en danger. Quel genre de danger? Elle m'a dit que quelqu'un était à sa poursuite. Elle m'a aussi affirmé que celui qui la poursuit, une espèce de malade d'après elle, aurait tué 4 de ses amis, ainsi que beaucoup d'autres. Où est cette femme? Elle est en sécurité? Oui, avec moi, dans ma voiture. Nous nous trouvons dans une station-service. Je ne saurais pas vous dire où. Comment s'appelle la jeune femme? Amy Singer. C'est une étudiante de l'université de Boston. Vous avez bien dit Amy Singer? Oui, Amy Singer. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Mitchell. Carrie Mitchell. Dites-moi, mademoiselle Mitchell, ça vous amuse de passer ce genre de coup de fil? Qu'est-ce que vous dites? Si vous trouvez ça drôle, moi pas. Je vous signale que cette ligne est dédiée aux appels d'urgence, pas à des gamineries. Mais je vous appelle vraiment pour un cas d'urgence. Vraiment? Excusez-moi, je commence à ne plus rien comprendre. Amy Singer est morte. Il y a plus de 5 ans maintenant. Alors laissez-la reposer en paix. Vous m'avez entendu? Raccrochez ce téléphone. Je vous demande de raccrocher ce téléphone. Veuillez raccrocher, c'est une ligne d'urgence. Quelle femme? La jeune femme. Elle m'accompagnait. Elle était couverte de sang même sur son visage et... Vous pensez payer en liquide ou en carte de crédit? En liquide. Ça fera 30 tourons. Tenez. Vous voulez utiliser la salle de bain juste derrière? D'accord. Merci.
désolé, je ne veux pas d'ennui. Lâche-moi sans cesse. Il va me tuer. J'ai dit dégage. Je suis venu vous aider. Dites-moi juste ce qu'elle vous a dit. Dites-le-moi que Amy puisse enfin reposer en paix. Maintenant, je vais enlever cette main, d'accord? Promettez-moi aussi de ne plus crier. Pas de bol. Votre cheville est cassée. Est-ce que vous allez enfin me dire ce qui se passe ici? Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre, c'est la date anniversaire de la mort d'Amy. Quoi? Tous les deux ans, elle apparaît à cette même date. Je viens de passer 2 heures de ma vie avec elle à écouter son histoire. Et vous et la police, vous me dites que c'est un foutu fantôme? Amy Singer ne sait pas qu'elle est morte. Son esprit continue de conduire des gens jusqu'ici. Et Toby continue à les tuer. Nous devons trouver pourquoi son âme n'est pas en paix. Autrement, d'autres risquent de mourir. Vous en êtes sûr? Elle vous a bien guidé jusque-là, non? J'ai vu une ancienne pancarte couchée dans l'herbe là-bas. Une pancarte des stations Gaz Hog, c'est là que tout a commencé. L'ancien bâtiment a été détruit, ça fait 4 ans. C'est quand Gogo Gaz l'a racheté. Pourquoi? À cause d'une carte. Quoi? Quelle carte? Une sorte de plan qui indiquait l'emplacement de toutes les victimes. La voiture de mon mari. Je l'ai vu garer là-bas. Où est cette carte? Est-ce qu'elle vous l'a dit? L'esprit d'Amy ne sera jamais en paix tant qu'on n'aura pas mis la main sur cette carte et qu'on ne l'aura pas remise aux autorités. Alors maintenant, dites-le-moi. Comment est-ce que vous avez su qu'elle m'apparaîtrait? N'importe qui passant sur cette route aurait pu tomber sur elle. J'ai eu une vision. Une vision? Nous sommes tous nés avec des tares différentes. Mon frère aîné, Billy, est né sans bras. Mon frère jumeau, Toby, lui, son visage était si effrayant que seule ma mère était capable de le regarder. Il avait un tel tempérament que même le diable le craignait. Et vous, c'est quoi votre problème? Moi, je suis né avec le don de voir des choses. Qu'est-ce que vous avez vu? Je crois qu'il est temps de mettre un terme à tous ces meurtres. Maintenant, dites-moi, où se trouve le plan? C'est toi, Toby? Je fais juste ce qui aurait dû être fait il y a des années de ça. Meurtre.
voulais pas que ça se termine comme ça, Toby. Mais les meurtres, c'est bien fini. Fais pas ça, Jimmy. Non. Oh mon Dieu, Jimmy. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu tirer. Jimmy? Jimmy! Oh non, Jimmy! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Jimmy! Jimmy! Je crois que tonton Jimmy pourra plus vous aider. Fumier de meurtrier! Vous n'aviez pas à le tuer comme ça! Bien obligé. Il allait abattre mon tonton Toby. Qu'est-ce qu'il faisait, de toute façon, derrière, à fouiller partout parmi les décombres? On le saura jamais maintenant. Où sont passées vos bonnes manières? C'est pas bien d'espionner.